La dalle sommitale du rocher du Sprinzelfels est divisée en deux parties, comme vous pouvez le constater ici. La dalle sommitale d'observation panoramique sur laquelle je me trouve, ici, est précédée d'une petite tour d'escalade, ici visible. Son sommet est aisément accessible par grimpette. Un arbre situé le long de ce rocher est judicieusement placé afin d'effectuer la grimpette sans risque. Droit devant moi, j'aperçois le prestigieux massif du Jüngstberg. Que voici, avec ses 488 mètres d'altitude. Ce paysage collinéen est tout à fait typique du Wasgau. Plus à gauche, j'aperçois le massif du Heidenberg, dont l'extrémité se termine par le promontoire observatoire du Burkhammerfels. Puis, à l'avant-plan, j'aperçois la ruine médiévale du Drachenfels. Entièrement à gauche, ce panorama se termine avec une vue sur Busenberg, au cachet champêtre dévastateur, des plus séduisants qu'il soit. Très sympathique encore une fois. Le Sprinzelfels est l'un de ces endroits rocheux sauvages et méconnus du Palatinat que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit là de l'un de mes grands coups de cœur à travers tout le proche Palatinat allemand. À consommer sans aucune once de modération, bien sûr.